Hello YouTube et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, vous le savez, hein, on aime bien de temps en temps faire des jeux au complet, des jeux indés, et ici, c'est le genre de jeu indé que vous allez sans doute apprécier, parce qu'il y a un petit côté Phasmophobia. Je suis bien sûr en compagnie de Shonix, hein, bah, il pourrait être, enfin, ça pourrait pas en être autrement sur ce genre de jeu, donc j'espère que tu vas bien, Sho. Oh ouais, ça va super. Donc, Paranormal Entities, qu'est-ce que c'est comme jeu? Paranormal Entities est un jeu dans lequel nous jouons à un étudiant qui s'appelle Cliff et qui voudrait se lancer comme caméraman freelance, donc un caméraman indépendant. Et il décide de participer à l'émission Paranormal Entities, la numéro 2 en fait en termes d'audience sur l'investigation de fantômes. Et on nous promet en fait 500$. Quoi qu'on filme, mais plus on va avoir des trucs et plus on va avoir de sous. Et bah, c'est une histoire un peu scriptée qu'on va découvrir ensemble. Le jeu est plutôt joli. Vous pouvez faire des dons au développeur qui l'a fait en 10 jours, mais vous pouvez aussi très simplement eh bien, le prendre gratuitement pour y jouer, puisque le développeur le met également librement sur son site. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode, les amis. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît. Let's go! Bon, là, il faut attendre hein, le temps de chargement. Il n'y a pas de petite barre. Voilà. Est-ce que tu suis bien, Sho? Est-ce que tu es bien? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je vais pas m'amuser à faire de la trad, parce que ça va être très dur, surtout en parlant en même temps. Donc, on va plutôt se laisser avoir par l'ambiance. Déjà, tu rentres, c'est une sorte d'asile, hein, tu le vois. C'est sexe, quoi. Tout de suite, hein, tout de suite. Là, j'ai envie de faire la beuverie, je sais pas, chaud, mais j'ai vraiment envie, là. T'es déjà accueilli par Ressus? Ressus, mon mari? Non, le petit Ressus. Non, le Ressus qui crie. Il a une belle tête, hein. Il faisait une langue quand il faisait la photo. La porte est fermée. La porte a cédé, messire. Mécréant. Ah, mais voilà pourquoi depuis tantôt ça déconne, en fait. Quand je clique, ça va sur le deuxième écran. Ah, yes. Ouais, donc ça pose des petits problèmes. Espérons que je n'ai pas à courir trop vite. Oh, tu le sens, le côté toutes les croix vont se renverser plus tard dans le jeu. Ouais, bah vu le nombre de croix, je pense, ouais. Ah, à bénitier, si on faisait pipi dedans. Quelle bonne idée, dis donc. T'es sûr que c'est un asile? On dirait plutôt une chapelle. Les, tu sais, les asiles, sanatoriums et tout ça, ils étaient très 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 religieux dans leur truc. C'est des trucs vraiment américains. Mm-hmm. Ah, psychopathe. Waouh, ça, Tsuki, elle aime bien ça. Est-ce que je peux couper ma lampe? Je pense pas. Mais regarde comment c'est sexe, quoi. Ça, c'est quand on lobotomise quelqu'un. Tsuki supporte pas, elle dit toujours tout, mais pas les yeux. Là, en vrai, on fait les malins, hein, mais une fois que l'horreur, elle va arriver, on va se planquer. Ah, tu vas te planquer. Non, mais je sais bien que tu vas te mettre sous le bureau, je... Non, c'est pas vrai, c'est faux. Il est trop petit, le bureau. Eh, attends, ils ont des beaux sièges, ça. Y a pas moyen que j'envoie quelqu'un le récupérer? C'est le mec qui pense déjà à bénéfice, quoi. Alors, Patient Room 239 Nurse Office. Oh, la nurse. Ah non, la nonne, pardon. Administrative Human Resource. Ah. Coucou. Ok. Spirit Box. De marque Olympus, acheté chez. C'est Carrefour à 2€.
Use your words, use your voice, and let us know that you're here. Hello? Okay, play that back. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Nothing. All right, let's try that again. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ah, on se met ici. Ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois, quand je vais trop loin, en fait, il sort. They'll give me a sign. Speak to us. Where are you? Give us a sign. Hello? Give us a sign. Show yourself. Augustine, you're all a bunch of ghoulish pricks. Show up or piss off. Ah ouais, quand t'insultes le fantôme, en fait, il aime pas trop ça. Je crois que c'est toi qui dois le dire. Peace off. Show us. Sous ta gueule. Donc là, je crois qu'il me dit retourne dans le hallway. Donc on va essayer d'y retourner. Pourquoi je peux pas? C'est peut-être pas par là. Si. Bah non, on venait de là-bas, il me semble. Bah ouais. Ok. Voilà. Ok, the four areas you need to visit to fulfill your contract, the e-social area is the first on the list. This is the area where the inmates who are deemed a danger to society would convene. You'll go to this room and perform a summoning ceremony. So walk into the center and we will begin. Ah ouais, carrément, tu veux qu'on invoque quelque chose, toi? Ouf, il s'en fout, il est avec sa radio. Ah ouais, il est son cul dans son camion. Mais c'est pas possible! J'arrête pas de cliquer en dehors du jeu, en fait. C'est pas mettre en plein écran? Tu vois tout ce que j'ai, en fait. Ah oui. Et c'est assez frustrant parce que... Bah, j'arrête pas de sortir, mais je risque de cut le record, quoi. Donc j'espère que non. This is the entrance to the patient cells 220 to 240. This is where they kept the lunatics, the murderers, the sociopaths, the worst of the worst, including Clive the Peeper Johnson. Ok, c'est là les assassins et tout ce qui s'ensuit. Ça va être drôle. Tu m'étonnes. Extremely manipulative and very intelligent. He was a murderer and a maimer. Most of his victims could never identify him because he managed to convince them to gouge their own eyes out with metal wires and even their own fingernails. He came here due to legal loopholes, and when the facility went off the rails and the doctor stopped caring, he jumped into action. The patients who didn't listen were tortured, and the ones who did wandered around the facility, blind, screaming, and in constant fear. This door's locked too. Let's just start the ceremony. Let's just start the ceremony. Ça pue du cul. Spirits inside this asylum. We know that you're here. We really... Ça a pas, mais comme ça, quoi. Hop. Ouais. This person is no longer shielded from the realm of the dead. Crise d'épilepsie en face. Interact and manipulate him. Ok. D'accord. Where are you? Show yourself. Piss off. Don't just stand there. Go check it out. Go just shake it out. Zigabulgle. C'est pas là. C'est pas là. L'autre salut. Pas là.
Voilà. Coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, ça ouvre. Ah. Elle... ah ouais. Ça, c'est ce qui manque à Phasmo, en vrai. Oh. Ça manque sérieusement à Phasmo. Oh purée, t'imagines ça sur Phasmo, ça serait tellement insane. Ça aussi, des trucs comme ça. C'est con, c'est des petits jumpscares, mais en Ghost Event, ça serait trop badass. Mm-hmm. T'es en train de marcher, puis d'un coup, pop, pop. Ah. Fragile. Ah, ok, fragile. T'es fan de carton. Et l'ambiance est très réussie, n'empêche. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Excusez-moi. On va se retourner au dernier moment. Hein. Je le sens pas qu'il faut se rapprocher, mais bon, je crois que c'est scripté, tu sais. Run. C'est fini? Non, cours. Second right. Là? Ah oui. Damn it. There's a staircase. Take the staircase up to the second floor, and you should be next to a fire escape. You should be able to get out that way. So go up the staircase. Ah. Monte à l'étage. Allez. Attends, ça a encore pris, c'est parce que, comme je te dis, c'est... Ouais, équité. Mais t'inquiète. Je ne comprends pas, tu sais, là, la caméra, par contre, elle tourne très bien, mais dès que... Oh, là, tu peux descendre en bas un peu. Là, tu peux descendre plus bas. Ah, ok, j'avais pas compris. T'as vu, on loupe en boucle, je crois. Ah, peut-être, ouais. Et la folie me gagne. Je vois ça. Peut-être que je remonte. Des fois ça arrive, hein, tu loupes en boucle et en fait quand tu remontes ça change quelque chose. Et ça commence à m'énerver, n'empêche que ça quitte tout ton écran en vrai. Mmh. Bon, à mon avis, tu dois... si ça loupe pas que c'est tout le temps les mêmes étages, tu vas devoir aller tout en bas. Bah voilà. Voilà, t'es tout en bas. Ouais, ok. Ok, je le sens mal, le coup du... on a le truc là, ok, c'est pas là. Et t'as remarqué, c'est la même pièce que tout à l'heure, hein, ouais. Y'a un truc dedans, y'a un truc dedans. Oh purée. Je crois qu'on veut nous conduire ici. Boom. Les bougies viennent jusqu'ici, donc c'est où? Voilà. Ah, jumpscare quelque part. Peut-être ramasser les bougies. Pas que je puisse en vrai. Il y a encore derrière, non? C'est une sorte de labyrinthe. Il n'y avait pas tout ça avant.
assuré. Alors moi qui n'y joue pas, franchement, là je ne veux... Wouhou. Ah, il m'a saisi cet enfoiré, je m'y attendais pas. Ah, c'est bien joué comme jumpscare. Ouais. Je pense qu'on s'amusera sur d'autres de ses créations à l'avenir. Mm-hmm. On est de nouveau bloqué ? Sérieux ? Oh putain, quelle horreur. Les regarde ? Ah. Donc si. No ice. Ah. Oh. Madame, je peux partir s'il vous plaît? Je me sens pas très à l'aise d'être là pendant que vous me regardez. Ah bah voilà. Le cri des enfers. Oula. Lobotomie. Ah, un bureau. Ah oui, c'est mignon. Ah, les yeux. Alors, il y a une rumeur qui circule comme quoi il y aurait eu un psychopathe qui se serait vengé en arrachant des yeux, si j'ai tout compris. Les yeux du directeur ou quoi ? La position. Alors, tu veux savoir sur mon corps? Je te montre mes fesses. Et t'as vu, n'empêche, c'est de la pâte à modeler le sang ici. Hein. Donc là, tu te rends bien compte qu'on a une petite pause. C'est-à-dire que là, on va en chier. Mm-hmm. T'as vu? Je suis tellement maigre que je suis transparent. Je vois mes fesses à travers mon torse. Trop bien. Ok. Excuse me. Il y en a là à droite, non? Non, c'est la mienne. Du cul. Je peux pas aller plus vite, y a pas de run. Run! Run, can run! Allez, run! Ouais, le jeu qui te laisse pas respirer, quoi. Oh. Puzzle? Bon, je suppose qu'il faut y toucher. Alors, scalpel. Ah ouais. Donc là, je peux soit prendre Bitem, soit de rien faire. C'est ce qu'il vient de me dire, il me semble. Ouais. On va rien faire, j'ai envie de voir. Ah, c'était peut-être pas la bonne option. Holy crap. I can't believe it. Je peux pas That le croire. The most disturbing
C'était le truc le plus dérangeant, terrifiant et fantastique truc paranormal jamais filmé pour la télévision. Ils auront des talk shows, des spin-offs, des films, des séries. Lui? Tu iras dedans? Moi, j'irai pas dedans. Non, non. Personne ne sait où il est dans tout l'hôpital. Et le truc qui est cool aussi, c'est que comme on va pas le chercher et qu'il est sans doute mort, on va pas le payer. Les enfoirés! Oui! Ça se trouve, on n'est pas mort. And my very wealthy friend, you are starting to stink. All right, I'm gonna do it. Whoa. Ah. Whoa. Did you hear that? Did you hear that? Shh. Listen. Écoute, il y a quelque chose. That was outside the truck. Je suis proche. Ça vient de l'intérieur du camion. Je te vois maintenant. Donc en gros, visiblement, le démon a pu se servir de nous pour pouvoir atteindre au-dessus. C'était sympa. C'était... Ouais, j'avoue. Pour un jeu gratuit, franchement, il avait des bonnes idées. Le seul défaut, c'était vraiment la souris qui sortait tout le temps. Mais c'était cool. En plus, c'est pas très long comme vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les amis, eh bien, les commentaires sont là pour ça. Likez également la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Et puis, rejoignez le Discord, histoire de participer à des choses, à regarder des films avec nous. Et puis, n'hésitez pas non plus à me proposer des jeux qu'on pourrait faire en un peu moins d'une heure sur le thème de l'horreur. Ça peut être sympa. Merci, Sean, de m'avoir accompagné sur cette session. Mais merci à toi. Et puis des gros bisous à tout le monde. Bisous tout le monde.